Le triangle ABC est rectangle en C avec la distance AC est égale à 2 et la distance BC est égale à 3. Le point O est le milieu du segment AB et le point H est le pied de la hauteur issue de C. Question, que vaut l'aire du triangle CHO? D'abord, nous traçons tout cela. Et ce que nous cherchons, c'est l'aire de ce triangle vert, dont la distance entre O et H sera appelée petit b comme base, et la distance entre C et H sera appelée petit h comme hauteur. Nous allons d'abord déterminer l'hypoténuse OC. Nous savons que le cercle de centre O et de diamètre AB contient ce point C parce que l'angle ACB est un angle droit. D'où la distance entre O et C, c'est le rayon de ce cercle. Nous allons déterminer la valeur numérique de ce rayon en appliquant le théorème de Pythagore dans ce triangle rectangle ABC. Dans ce triangle rectangle, nous avons AB au carré est égal à 2 au carré plus 3 au carré, comme ceci. Donc, le diamètre AB mesure racine carrée de 13, et par conséquent, le rayon du cercle, qui est aussi l'hypoténuse du triangle vert, vaut racine carrée de 13 divisé par 2. Maintenant, nous allons déterminer cette distance petit h en calculant l'aire du triangle ABC de deux façons différentes. D'abord par cette base AB fois cette hauteur petit h divisé par 2, et ensuite par cette base 3 fois cette hauteur 2 divisé par 2, donc comme ceci. Et de l'égalité de ces deux fractions, nous pouvons de suite déduire que petit h est égal à 6 divisé par la racine carrée de 13. Maintenant, nous devons encore trouver la valeur de petit b. Pour cela, nous appliquons le théorème de Pythagore dans ce triangle CHO. Théorème de Pythagore qui dit que b au carré plus h au carré est égal à r au carré. Dans cette égalité, nous pouvons de suite remplacer r au carré par 13 quarts et h au carré par 36 treizièmes. Et par conséquent, nous savons que b au carré est égal à 13 quarts moins 36 treizièmes. Pour soustraire ces deux fractions, nous les réduisons au même dénominateur et c'est ainsi que nous trouvons que b au carré est égal à 25 sur 52. Et par conséquent, le petit b, c'est 5 sur 2 racines carrées de 13. Maintenant, nous allons calculer l'aire du triangle vert en calculant cette base b fois cette hauteur h divisée par 2. Donc, l'aire du triangle vert CHO, c'est la base petit b, qui vient de là, fois la hauteur petit h, qui vient de là, divisé par 2. Et cette fraction, ça donne de suite 15 26e. Par conséquent, c'est le C, la bonne réponse. Lors du tutoriel suivant, nous allons répondre à une autre question de l'Olympiade de mathématiques.